entre 6h30 et 7h et il est temps pour moi de me lever. La première chose que je fais, c'est vraiment d'aérer mon lit, d'ouvrir les fenêtres, de regarder le temps qu'il fait et la température qu'il fait. Et ensuite, bien évidemment, je file au petit déjeuner. Le matin n'a pas changé depuis presque 3 ans je crois, je mange toujours la même chose, mais j'ai décidé de vous le montrer d'une autre façon, façon plutôt bowl cake. Donc je vais écraser une banane, mettre de la coco râpée, un œuf, 2 cuillères de lait d'avoine, moi je le choisis bio, je préfère, vous pouvez mettre n'importe quel lait que vous souhaitez, qu'il soit végétal ou non, comme ça, ça change un peu les saveurs. Et ensuite je mets des flocons d'avoine, je remue tout ça et direction le micro-ondes pour entre 1 minute et 1 minute 30. Ainsi, la cuisson est beaucoup plus rapide qu'à la poêle et c'est tout aussi délicieux, surtout si vous aimez la banane. Nettoyer mon visage la veille, je prends simplement mon éponge Conjac pour me passer un grand coup d'eau froide sur le visage afin de vraiment bien me réveiller. Ma routine est toujours la même, je vous en ai parlé dans mes favoris de septembre, c'est la gamme Slow Age de Vichy, et oui j'ai 30 ans, donc d'abord j'applique le contour des yeux avec l'annulaire qui est le doigt le moins musclé, le moins fort en fait, et ainsi ça permet de vraiment bien prendre soin de votre contour de l'œil. Puis j'applique la crème visage, donc je mets des petits plots un peu partout et je n'oublie pas le cou, vraiment c'est très important, j'ai pris conscience de ça il n'y a pas longtemps, je fais attention à mon cou, je l'hydrate tous les matins et tous les soirs et j'en profite pour me faire un léger massage du visage, ce que je fais tous les matins. Donc je lisse la ride du lion, je masse vers l'arrière mes joues et je fais comme si je repassais mon cou. Que vais-je mettre aujourd'hui ? Alors pour l'automne, j'ai totalement craqué sur cette veste, elle est trop belle avec les perles. En ce moment j'ai envie de confort, donc je vais miser sur ce petit legging qui fait aussi office de pantalon. Et dessous j'ai décidé de mettre une petite blouse en dentelle qui vient de chez H&M et qui date de l'année dernière. Je vous mets le lien de ma veste en barre d'infos, c'est une nouvelle collection de chez Cash Cash, elle est vraiment trop canon. Ok, place au make-up, donc j'ai vraiment besoin d'anti-cerne à l'automne, généralement je commence déjà à être cernée. Donc je prends mon correcteur sérum anti-rides, anti-cerne et poche de chez By Terry. Je l'applique au Beauty Blender et ensuite je vais matifier mon visage avec la poudre mosaïque éclat de chez Aven. Je l'adore, c'est toujours la même que je vous présente, c'est toujours la même que j'utilise.
Je vais brosser mes sourcils et ensuite on passe aux yeux. Donc c'est parti pour ma base à paupières de chez Benecos. Puis je vais prendre ma Naked Basics pour vraiment vous montrer un make-up ultra simple et ultra facile à reproduire à partir du moment où vous avez deux couleurs chez vous. Donc je prends la plus claire, c'est-à-dire la WOS, et je vais vraiment l'appliquer sur toute la paupière mobile en débordant également sur la paupière fixe. Puis je prends Faint, donc la couleur la plus foncée, pour venir creuser mon œil, pour faire cette fameuse banane. Et là, je prends mon temps, hein. Il faut vraiment s'appliquer, être sûr que le rendu nous plaise. Puis je prends un pinceau beaucoup plus fluffy et je reprends WOS pour flouter tout ça. Vous savez, j'ai l'habitude de faire ça, je trouve ça beaucoup plus joli. Un petit coup de crayon noir dans la muqueuse interne, celle du haut. Et j'applique mon nouveau mascara, c'est le Paradise Ecstatic de chez L'Oréal. Il est vraiment top, regardez comme il déploie mes cils, je suis trop fan. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre du rouge à lèvres. Vous savez que j'en mets pas trop souvent. C'est un Revlon. C'est la teinte 755 HD Adobe. Je l'aime vraiment beaucoup. Mon make-up est ainsi terminé. Je vous le filme de plus près parce que vous me l'avez demandé dans les commentaires. Donc, j'en prends compte. Je lâche mes cheveux. Ensuite pouvoir aller mettre mes bijoux, ma montre, mon bracelet, mes boucles d'oreilles. Je mets mes chaussures, puis je descends pour attraper mon sac, mes clés et partir au boulot. Bonne journée !